Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie donc du stream de la vidéo, etc. de la création de la carte, donc Minerals Adventure. Je suis actuellement en train de faire la lumière pour la nuit, donc je vais faire ça tranquillement en attendant. Ok, donc ça c'est le spécular. On peut le passer à 1.2, à 2 même. L'émissive 0.5. Si je mets à 0, ça fait quoi? Ah oui, d'accord. On peut le passer à 2, on peut le passer à tout ce qu'on veut. Donc, ce qui est le plus important lorsqu'on fait. Donc là, j'ai ce panneau-là à côté. Hein. Voilà, ce qui est le plus important lorsqu'on fait un jour-nuit, etc. C'est les ombres. C'est la direction de la lumière. Voilà, donc on peut le mettre ici. La couleur diffuse, on la met en bleu foncé. Voilà. Et là, on a un semblant de nuit. Peut-être pas mettre ça aussi grand comme ça. Voilà. Ensuite, on va essayer de regarder un petit peu la colorisation. Le micro, il est bon là, ouais, c'est bon. Chaque fois, j'oublie. Donc voilà, donc ça me semble être pas mal ça. On peut multiplier donc si c'est très bleu ou pas très bleu du tout. Donc on peut le mettre à. Comme ça. Hein. Je sais que la lune elle est pas bleue normalement, mais c'est pas grave, on s'en fout. Là on a une autre diffuse color qu'on va foutre juste en plus foncé. Je sais pas à quoi ça correspond. L'idée c'est de mettre tout en foncé en fait. Parce que du coup voilà ce qu'on a. On a ça. Ok, donc j'ai ma couleur de nuit. Je l'aime plutôt pas mal. Elle fait bien, bien un peu nuit. C'est cool. Ok. Puis au pire, on la change, c'est pas très grave. Alors, donc ensuite, pour implémenter le système jour-nuit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Init. Non, dans In-game Lobby, Map Génération. Dans leur start game, voilà, au moment où on démarre le compteur, on va changer la lumière, donc lighting, donc set lighting, ok. Là, on met notre night belshir, et là, on va mettre deux fois, même plus, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, deux fois le temps de starting time à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, on va mettre la même chose donc ici. Voilà, donc là, ici. Donc en fait, une fois que c'est la nuit, on va définir la nuit en 5 secondes. Voilà. Et sinon, une fois que la nuit est terminée, on va repartir sur du Belshir. En deux fois le night time. Ok. Et ensuite, on va faire exactement la même chose dans le start day. On va définir voilà, la lumière du jour en 5 secondes. Et on va bend. On va merger donc. Enfin, non, on va se ramener donc à une lumière donc de jour, non de nuit du coup, en deux fois le daytime du coup. Donc voilà, on peut tester un petit peu voir ce que ça fait. A priori, ça devrait être plutôt pas mal. Au pire, on augmente donc la durée du bend. Comment ça s'appelle en français? De la transition. Voilà, la transition. Durée de transition. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait pas juste transition en 240, enfin le temps normal? Tout simplement parce que sinon, en fait, on va arriver, genre il restera à peu près 30 secondes, et ce sera déjà la nuit en fait. Du coup, c'est pas très cool quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que voilà, dès qu'on arrive à la nuit, c'est à peu près la nuit, et puis hop, dès que c'est la nuit, bam, on change radicalement. C'est juste c'est de l'esthétique de toute façon, donc c'est pas très grave si on
si on rate ça? Ok. Voilà, très bien. Donc là, on fait Start Game. Donc là, on génère la carte. Et à la fin, on va faire la transition de l'ombre. Donc là, on va voir les ombres bouger, a priori. Ok, si tout se passe bien. Regardez mon ombre ici. Oui, l'ombre est scintille un petit peu. C'est-à-dire que là, on est en train de transitionner donc vers vers la nuit. D'accord? On voit pas trop les changements parce que là, le jour dure 5 minutes. Donc ça va être assez long avant d'arriver à quelque chose de différent, quoi. Et voilà, on va tester, voir si ça fonctionne. Alors, le jeu a largement été modifié en fait. Je vais vous expliquer tout ça. Toc. Là, on peut passer par là aussi. Je vais mettre des bâtiments en fait juste pour l'ombre. Vous voyez ici l'ombre, l'ombre qui change partout dynamiquement donc. Voilà. Donc là, a priori, je suis safe. Voilà, donc maintenant on va attendre un petit peu, puis on va voir ce que ça donne en termes de transition, quoi. Donc là, le problème principal dans ce genre de situation, c'est qu'effectivement, tout scintille en fait. Toutes les ombres scintillent. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour le. On va dire pour la. Pour l'esthétique du jeu. Donc voilà. Donc je sais pas du tout comment faire pour régler ce problème éventuellement si on a besoin de le régler. Mais voilà, donc vous voyez ici mon ombre là, avant elle était ici. Maintenant elle commence à se rapprocher. Et après elle va être, hop, elle va être au milieu à peu près. Et quand elle va être au milieu en fait, hop, on va passer à la nuit. Parce que là j'ai mis deux fois le temps de transition. Donc si on a un temps de, si on a une transition qui est deux fois plus longue que le temps normal, au milieu en fait, l'ombre sera au milieu des deux lumières. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Donc voilà, donc là il reste 2 minutes. Le soleil est plutôt haut dans le ciel. Voilà, c'est plus ou moins comme s'il reste, comme s'il était midi, quoi. Sauf que moi j'ai pas mis les ombres exactement symétriquement opposées, en miroir, quoi, en gros. Donc du coup le milieu de l'ombre c'est pas forcément pile poil le milieu, quoi. Ça c'est facilement réglable, mais bon, j'ai pas forcément envie de le régler, c'est pas très grave. On va voir un petit peu vite fait. Alors, je vous explique en attendant vite fait ce que j'ai rajouté. Donc ici, vous pouvez constater une ligne verte qui part du centre et qui va jusqu'à mon mur. Ok. Alors, qu'est-ce que ça indique? C'est très simple. Premièrement, si la ligne est verte, ça veut dire qu'on est secure. Ok. You are currently secure. Là, la ligne est verte, on est secure. Pas de problème, notre probe ne va pas se faire attaquer. Si la ligne est rouge, on n'est pas secure. Indirectement, si la ligne est rouge, elle va forcément pointer vers notre probe. Ok. Je vais vous montrer ça, il reste 1 minute. Vous voyez là, on commence un petit peu à avoir le bleu qui arrive. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, on peut totalement laisser comme ça. Ah oui, j'ai le son du jeu, je crois. Ok, donc regardez, je vais casser le mur. Hop, voilà. La ligne est rouge et elle va jusqu'à moi. Alors, c'est plutôt simple. L'unité de fin, l'unité qui. Par exemple, là, c'est le probe. Là, vous voyez la limite. La ligne, elle va vers mon probe. Mais par contre, si je construis un mur, ok, donc le truc se rafraîchit uniquement quand le mur est terminé. Donc pouf, voilà. Si je construis un mur, la ligne va aller vers le mur. Alors, l'unité qui est indiquée, on va dire, par le trajet, c'est l'unité qui va être attaquée par les Zerlings. C'est-à-dire qu'actuellement, ce pylône ici ne va jamais être attaqué. Ok? Si je change rien là, si je change absolument rien, le pylône ici ne va jamais être attaqué. Voilà, donc là il reste 10 secondes, on va attendre un petit peu. Voilà, alors là on est censé passer à la nuit, mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû chier quelque part. Vous voyez les Zerlings, ils vont aller attaquer ce mur. Okay. Bien évidemment, il n'y a pas de place pour l'attaquer, ils vont attaquer celui-là à côté. Voilà, ils vont pas non plus attendre comme des Mongols, hein. C'est pas non plus comme ça que ça fonctionne. Et là du coup je suis un petit peu déçu, la lumière n'a pas fonctionné. Alors pour éviter d'attendre trop longtemps, je vais changer le starting time, je vais mettre 60 secondes.
Ah, peut-être je vais mettre 90 secondes en fait, comme le daytime. Voilà. Et quand on start night, on set lightning to Belshire over 5 secondes. Donc ça n'a pas fonctionné visiblement. Ah oui, et après il faut que j'attende en fait. Donc je vais mettre ça ici, je vais mettre... Ouais, ok, d'accord, je vois c'est quoi le problème. Ici, je vais mettre attendre 5 secondes, ok, que le light il se fasse. Et après, je change la lumière, évidemment. Sinon, ça risque d'être délicat. Ok. Voilà, donc là, on va attendre 5,1 secondes. Et je vais faire la même chose ici, parce qu'effectivement, sinon, ça ne marche pas. Voilà. Je pense que c'est à cause de ça que ça n'a pas marché, du coup, en fait. En fait, le déclencheur, il a déclenché les événements dans l'ordre. Donc, le premier événement, c'était la transition vers le night en 5 secondes. Et hop, juste après, on lui a dit, ah bah non, finalement, tu vas vers la lumière de jour en 240 secondes. Donc, du coup, il s'est arrêté. Enfin, du coup, il a fait ce qu'il devait faire, donc passer en... La dernière action, en fait, a été comptabilisée. Voilà, donc là, j'ai mis 90 secondes. Et donc, voilà. Donc voilà, donc le trait, vous voyez, qui s'affiche uniquement si on est... si on n'est pas... si on n'est pas dans... Secure, donc. Donc l'idée derrière ça, c'est pour éviter de... que les ergs, ils mongolisent, en fait. Qu'on avait vu que les ergs mongolisaient, en fait. Si, par exemple, je me mettais ici, par exemple, les ergs, ils allaient ici, en fait. Ok? Maintenant, peu importe là où mon probe est... Peu importe où il va être, ils vont forcément attaquer mon pylône ici. D'accord? Alors, ça pose des petits soucis, ce système. Donc, bon, c'est une solution temporaire. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ça pose des problèmes si, par exemple, on fait deux bases. Si on fait deux bases, eh bien, y a la base la plus proche du milieu va être attaquée. Et pas l'autre. Même si notre probe est à l'intérieur de l'autre, en fait. Elle va jamais être attaquée. Donc ça peut poser des petits soucis, mais bon, je me rends compte que voilà, si le probe est dans la deuxième base et que la première base se fait attaquer, la première base, elle va finir par mourir au bout d'un moment, quoi. Donc au final, voilà, ça revient à peu près au même, quoi. Après, si on a vraiment envie de gâcher des ressources pour faire une base fantôme, on va dire, voilà, pourquoi pas. Et comme les Erlings ne vont pas forcément mourir instantanément le jour, il va bien falloir les tuer, les Erlings, au bout d'un moment, donc... Voilà, et voilà, et là, voilà, la transition se fait très rapidement. Hop, voilà, c'est la nuit. J'aime bien, j'aime beaucoup la nuit. Ok, et maintenant, on va passer vers le jour, regardez, en 30 secondes. Donc là, vous voyez l'ombre qui se modifie assez rapidement. Donc voilà. Voilà, il n'y a plus rien qui marche, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai tout cassé, il n'y a plus rien qui fonctionne. Voilà, c'est le générateur, il génère plus d'énergie. Je vais vous expliquer tout ça et pourquoi. Voilà, donc là, voilà, le jour, hop, se fait. On migre vers la lumière. Et au bout de 5 secondes, on repasse en nuit. Ok, ça me semble être pas mal. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire aucune transition, en fait. C'est comme ça, les ombres, elles scintilleraient pas. Donc ça serait à voir avec le jeu, je pense, avec les gens, la vie des gens, etc. Voir un petit peu ce que ça fait. Ok, bon, on a mis la lumière, c'était rapide. On verra ça plus tard. Ok, alors je vais arrêter l'enregistrement ici maintenant. La vidéo elle a fait 15 minutes à peu près. Parce que je vais parler d'un truc très 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 important. Donc on se retrouve pour ceux qui sont sur la VOD, on se retrouve juste après. Enfin, on se retrouve sur la prochaine VOD pour parler des modifications très 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 importantes par rapport à la carte.